fenêtre. Voilà. Bonjour Jacques, je passe la parole à Fabien qui ensuite va te la redonner. Ah d'accord. Non, c'est le sien qu'il faut monter. Monte ton son, Jacques, si tu peux. Je commence alors. Vas-y. Bonjour Jacques, ça me fait plaisir. Fabien. Voilà. Donc nous allons écouter Jacques Bidet, professeur émérite en philosophie à l'Université de Nanterre, qui a beaucoup écrit sur le marxisme et sur beaucoup d'autres choses que je ne saurais résumer ici, qui a récemment publié un livre sur la thématique de laquelle il va parler aujourd'hui, sur l'écologie politique du commun du peuple. Et donc, le texte qu'il nous présente s'intitule « Commun et communisme ». Donc, je te laisse la parole, Jacques. Merci, Fabien. Effectivement, ce n'est pas ce que j'avais annoncé, donc je prie de le... Bon, les amis qui sont là de m'en excuser. Ce livre, « L'écologie du commun du peuple », c'est un livre... disons, c'est une sorte de machine théorique dont je suis très heureux qu'il paraisse beaucoup plus rapidement que je ne pensais aux éditions du Croquant, qui sont une édition bien sûr théorique, mais aussi très fortement politique, militante, etc. La thèse de ce livre, c'est que toutes les atteintes à l'écologie sont exclusivement le fait des dominations sociales, de classe, de genre ou de nation. Et qu'en conséquence, la lutte contre l'écologie est indissociable, indiscernable, c'est une même chose que les luttes sociales. Toutes les luttes sociales sont des luttes écologiques, et il n'y a pas de lutte écologique qui ne soit pas de lutte sociale. Bon, c'est mon livre, bon, c'est, évidemment je mobilise des acquis antérieurs, mais disons pour l'instant c'est mon livre le plus jeune, si je puis dire. Alors, non, le commun du peuple, quatre points. D'abord le commun du peuple, oui cette expression m'est venue, auparavant je parlais de classe fondamentale, etc. Pourquoi le commun du peuple? Eh bien le commun du peuple s'oppose aux privilégiés. Et les privilégiés dans notre société moderne sont de deux sortes. Les privilégiés de la propriété qui dominent le marché. Les capitalistes se sont progressivement emparés du marché. Et l'autre propriété, comme l'ont vu, bon, c'était bien présent chez Marx, mais en arrière-plan, mais comme l'ont bien vu des auteurs comme Bourdieu notamment, c'est ce qu'on peut appeler, mais dans un sens weberien, les compétences, ceux auxquels est donné institutionnellement compétence pour certaines fonctions publiques. Ils sont beaucoup plus nombreux que les capitalistes. Mais disons, c'est ceux qui ont des charges dans l'organisation hiérarchique, mais bon, si on suit Bourdieu, par exemple, on voit que y a une hiérarchie de la culture, entre autres. Alors, l'abolition des rapports de classe, c'est donc l'abolition de rapports de domination et d'exploitation. Mais en abolissant ces rapports de domination, on n'abolit pas les facteurs de classe. Pourquoi? La question, il faut aller la chercher un peu plus loin. Elle est présente chez Marx. Marx dit... dans notre société, il y a la coopération immédiate, mais au-delà, il y a les médiations, Vermittlungen, qui sont deux, le marché et l'organisation. Et voilà, il y a deux possibilités. Lui compte sur l'organisation, c'est-à-dire la voie socialiste, pour se dépasser en communisme, d'une certaine manière. Donc, ces médiations s'opposent à un troisième terme qui est la coopération discursive, la coopérative, ou le commun, diront d'autres. Et, pour cette raison, il y a trois régimes d'économie. Bon, il y a bien
deux classes, une qui domine et l'autre qui est fondamentale. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas simplement une classe laborieuse, c'est la classe fondamentale. Mais la classe dominante a deux volets, deux pôles. D'une part, ceux qui se sont emparés de la propriété du marché et ceux qui contrôlent toutes les hiérarchies organisationnelles. Je distinguerai trois régimes d'hégémonie. Je reprends ce terme de régime de Gramsci, qui, à mes yeux, dans la société moderne, sont le libéralisme. Le libéralisme, c'est quand prévaut la propriété capitaliste. Donc, l'antilibéralisme, c'est l'anticapitalisme. Le deuxième régime, c'est le socialisme, où prévalent les privilégiés de l'organisation à tous les niveaux. Le socialisme réel, dit réel, en est un bon exemple, et le terme est très bien choisi. Et le communisme, c'est là où prévaut le commun du peuple. Donc, ce sont trois régimes qui ne sont jamais entièrement réalisés, mais bon, qui sont trois possibilités au monde moderne, et qui donnent aussi au commun du peuple sa stratégie. La stratégie du commun du peuple, ce sera toujours de chercher à maîtriser le marché par quelques formes d'organisation, par exemple par nationalisation, et de maîtriser l'organisation par la coopération immédiate, discursive, le pouvoir au peuple, le pouvoir au commun du peuple. Et voilà. L'enjeu est à la fois politique, social, politique, mais il est en même temps écologique pour les raisons que j'ai dites. Alors, je vous dis tout de suite, je ne vais pas résumer mon livre. Je suis simplement le fil commun-communisme. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont nécessaires. La perspective du commun du peuple, c'est donc le communisme, c'est-à-dire le régime du commun. Mais qu'est-ce que le commun ? Deuxième point. Alors, ce terme a plusieurs sens. Il y a le commun d'Alinor Ostrom, qui est décisif. C'est d'abord, dans la genèse de ses pensées, c'est le commun foncier, qui représente une communauté de producteurs qui travaillent en commun un territoire, qui s'en partagent l'usage selon des règles définies et qui ont en commun l'idée que ces ressources doivent durer, non pas disparaître. Mais on s'est rapidement rendu compte qu'on pouvait passer à une autre sorte de commun, un autre niveau, le commun numérique, un espace numérique géré en commun, où la valeur d'usage de chaque bien produit se multiplie par l'usage. Et en même temps, on a découvert aussi qu'il y avait le commun matériel, celui des coopératives de production, d'échange. On vient de privatiser un peu les chemins de fer, mais aussitôt, le commun du peuple s'est rendu compte qu'on pouvait établir des coopératives sur ces chemins de fer privatisés en achetant en commun des locomotives. Donc, tout ça, c'est le... Alors, ensuite, il y a le commun de Pierre Dardot et Christian Laval, qui en parleront demain, je pense. Ils en ont fait, bien sûr, ils ont pris toute la substance, à juste titre, toute la bonne substance d'Elinor Ostrom, mais ils en ont fait en même temps un thème de la philosophie de l'histoire, de l'histoire moderne, qui a de la vie du commun, la mort du commun, et la résurrection possible du commun. Alors, dans leur esprit, l'origine du commun est à chercher du côté des communers anglais, ces paysans qui se battent pour défendre les biens qu'ils cultivaient en commun, alors que le capitalisme naissant se l'approprie. Et ils montrent à juste titre comment le capitalisme a réprimé ce... Mais dans leurs yeux, cette agression, cette répression, et le fait du capital et de l'État, un couple que je trouve un peu bon, avec lequel je ne suis pas en accord. Si on veut. Et la lutte
du commun désormais, c'est la lutte pour le développement de l'aristocratie, de la démocratie, excusez-moi, pourquoi ce lapsus, et que l'on lit très bien à la fin de leur gros livre. Ce livre est à lire tout entier, mais les conclusions définitives sont fournies à la fin, où l'on découvre que le commun désormais, c'est la démocratie de l'économie, de l'administration, de la politique, etc. Alors, évidemment, personne ne peut être contre cette perspective. Donc, je suis entièrement d'accord avec leur explication sur ce point. La difficulté, pour moi, à lire cet ouvrage, c'est que c'est la définition des adversaires du commun. Bien, selon eux, il y a le capital et l'État. Et je pense qu'en bonne théorie marxiste, on ne peut pas prendre les choses comme ça. Parce que l'État n'est pas un adversaire par rapport au commun du peuple. L'État, c'est le rapport politique entre les adversaires. C'est les adversaires de classe, c'est-à-dire la classe dominante et la classe fondamentale. Et à l'intérieur de la classe dominante, ces deux éléments sont en conflit aussi pour le contrôle de l'appareil d'État et qui s'affrontent, soit pour en faire un instrument de domination, soit pour faire des institutions politiques, des instruments d'émancipation. Donc, pour moi, c'est du Proudhon, ce n'est pas du Marx. Donc, c'est pas très fiable théoriquement. On ne peut pas légitimer cela, à mes yeux. La deuxième difficulté, c'est leur schème historique, qui est médiéviste, si l'on prend la querelle chez les Italiens. Voilà, il y a les médiévistes et les modernistes. Et cela viendrait, ça serait illustré au Moyen-Âge. Et c'est le côté négatif c'est pris comme une expérience négative, finalement, ils ont été vaincus. Alors, ça ne nous donne pas forcément une bonne piste pour aller plus loin. Troisième point, j'espère que je suis dans les temps, il y a un autre commun. On va découvrir qu'il est essentiel, c'est le commun national. Parce qu'avant de parler du commun foncier, il doit bien penser que cet territoire qui a été garanti à il l'est par un État et par un État moderne qui peut se le permettre désormais. Donc, c'est une expérience très intéressante, celle des communeurs. Je me demande quand même si elle ne remonte pas aux Gaulois, si l'on croit Jean-Louis Bruneau. Voilà, les terroirs ne se sont guère modifiés depuis les Gaulois jusqu'en 1940. Hein, d'avion, on voit là où étaient les champs, là où étaient les bois, etc., du temps des Gaulois. Donc, cette origine est certainement très ancienne. Mais pour moi, il y a un autre commencement. Ce n'est pas une origine, c'est un commencement. Il y a un espace commun qui est « il comune », qui est une invention historique de l'Europe à partir du 11-12e siècle dans beaucoup de lieux et qui s'est cristallisée de la manière la plus puissante dans les communes italiennes du nord Italie du 11e-12e siècle. Alors, pourquoi c'est le commun? Parce que c'est bien un espace commun, même s'il est repris de l'espace antique des diocèses romains, c'est un espace commun, approprié, gouverné en commun par l'invention d'un pouvoir législatif qui crée des lois chaque année, un pouvoir exécutif attribué à un podestat que l'on prend hors de la cité pour qu'il n'y ait pas de mélange des pouvoirs, un législatif qui est soumis à un suffrage plus ou moins universel masculin, et ce sont des assemblées constituantes, parce que chaque année, on rédige à nouveau la Constitution. Alors, législatif, exécutif, judiciaire, un crime n'est pas le crime de l'un contre l'autre, mais c'est un crime contre la majesté
de l'État, de la commune, un pouvoir fiscal, un pouvoir militaire, etc. Donc, c'est bien un espace commun voilà, qui s'est créé là, et ces choses ne disparaîtront pas. Même on va... Bon, elle culmine du reste dans une expérience totale. C'est le moment de la piété moderne, c'est-à-dire aussi des hérésies, où l'on pense par soi-même, etc., de l'art moderne. Et ce mot moderne apparaît déjà en l'an 1000. C'est l'idée, la conscience qu'on entre dans une autre époque, bon, qui se cristallise à cette commune. Alors, bien entendu, tout ça ne va durer qu'un an, deux ou trois siècles. Ça dure un an chaque année, mais l'économie va se reconstituer sur une autre base. Mais en même temps, ce qui est remarquable, c'est que cette lutte des communes est animée par le commun du peuple, par les artisans, les petits commerçants, etc., et qui en même temps développent des luttes d'alliance, et des luttes d'alliance non pas avec la propriété, mais avec les compétents, qui sont chez les nobles, quelque sorte. Mais évidemment, toujours... Alors, cela culmine en 1250 par la splendide déclaration du Liber Paradisus. La commune de Bologne déclare que Dieu nous a créés libres, etc. Les hommes sont tombés dans le péché. Le péché, c'est le féodalisme. Mais il nous a envoyé Jésus qui nous donne la voie de la libération. Et donc, la noble lutte de Bologne, en considération du passé et de l'avenir, va libérer tous les esclaves, ce qu'elle fait en les rachetant et en les introduisant dans le monde moderne, c'est-à-dire le monde qu'on appelle communément capitaliste. Mais voilà, qu'est-ce que j'ai touché là? Ça ne change rien peut-être. Non, ça change assez. Ça change sur mon écran. Mais voilà. Mais disons qu'il y a un retournement économique, mais ce conflit structurel des classes en présence va continuer souterrainement et reparaître avec la naissance des États-nations à partir, disons, de la Renaissance. Alors, l'État-nation, bon, la nation, c'est une construction du commun du peuple. La nation, c'est quand on en vient à quand le commun du peuple crie « Vive la nation !» Vive la nation, c'est le cri sur les batailles de la Révolution. Et la Révolution, on commence à l'aimer. Auparavant, ce paysan n'a des provinces, il n'avait pas l'idée de nation. Mais cette idée de nation, c'est l'idée de s'emparer de la nation, c'est-à-dire une nation où on serait libre, égaux, et on est prêt à mourir pour cette nation. Pourquoi on l'aime, cette nation? On l'aime parce qu'elle est à nous. Alors, c'est son côté merveilleux. Elle est à nous et elle est à nous tous. Voilà, vive la nation. C'est ce que crie, c'est aussi le cri des guerres de libération du XXe siècle. Mais en même temps, c'est une chose absolument terrifiante que ce commun, qui est le plus beau des communs, mais le plus terrifiant, car il institue par le fait même, cette terre est à nous, il est à nous en commun, à tous, il institue l'ennemi. Elle crée les frères, la fraternité, liberté, égalité, fraternité, c'est à nous. Mais elle crée le non-frère. Bon, elle symbolise la structure de classe, mais en même temps déjà le système monde en nations séparées. Voilà. Mais elle est en même temps terrifiante au regard de l'écologie, parce que l'homme moderne, propriétaire et possesseur et maître de la nature, n'est pas une invention de Descartes, comme on le dit souvent. Descartes a écrit ces mots, mais aussitôt il dit, la première chose, c'est quand même la santé pour tous. Cette terre doit assurer la santé pour tous, qui est le meilleur des biens et conditionne tous les autres. Alors, ce sont des propos extraordinairement d'actualité et qu'on me le voit extrêmement écologique. C'est terrifiant écologiquement parce que maître et possesseur de la nature, voilà, c'est ce qui s'organise dans chaque nation.
Chaque nation organise son territoire, entend le gérer, le protéger, crée des liens de communication, des instances de contrôle, de recherche, des académies, etc., des instituts, une armée pour le défendre, mettre. Et ça, c'est un fait national. Et on déclare que l'État doit s'occuper de la vie de tous, voire Foucault. Ce commun national, c'est évidemment toujours, c'est bien le commun suprême. Si on lit les grands auteurs comme Coria ou Rodotà, quand ils parlent du commun, c'est d'abord du commun national. Et finalement, les derniers mots de Pierre et de Christian dans leur grand livre, c'est bien autour du commun national. Alors, j'ai le quatrième petit point, parce que je ne peux que l'aborder. Tout ça nous conduit vers la nation-monde commun ultime. Pourquoi le monde comme commun ultime serait-il une nation? On sait comment s'est développé le capitalisme. Je n'aime pas le mot capitaliste. Je pense que c'est un obstacle épistémologique, c'est un faux ami, parce que ça voudrait dire que voilà, c'est le capital qui domine tout. Bien sûr, le capital, c'est cette capacité extraordinaire, incomparable, d'accumuler, de dominer, d'accumuler la richesse, mais il n'existe pas sans qu'il existe aussi un pouvoir compétent au sens de Weber, c'est-à-dire qui monopolise le savoir légitime, etc. C'est un savoir-pouvoir. Et ce savoir-pouvoir, mais ça aussi, c'est le marxisme commun. Le marxisme commun, c'est celui qui ne connaît pas la métastructure. La métastructure, c'est avant de penser la structure de classe, il faut penser les facteurs de classe, marché, organisation, et aussi l'immédiateté, le rapport entre la parole immédiate et ces deux facteurs de classe. Voilà, si on ne pense pas, on ne peut pas comprendre ce qu'il en est du système de classe à proprement parler, ni même de la structure de classe et du système des nations. Donc, voilà. Donc finalement, tout va. Il y a bien un État-nation. L'État-nation, ça démarre aux environs, au tournant des années 70. Il y a bien un État-monde, je veux dire, qui démarre au début des années 70-80, qui est le tournant néolibéral. Le numérique, c'est les forces productives, une grande mutation des forces productives, les capitalistes ont tout de suite compris, qui permet de dépasser les frontières. Et en dépassant les frontières, on défait les alliances fécondes qui s'étaient réalisées entre le commun du peuple et une part des compétents durant la période de l'État social. Ça, c'est ce qui se fait déjà un peu à partir des années 30, mais c'est un peu réalisé entre 40 et 70. On ne peut pas dire que... le capitalisme était encore très puissant, mais il était très sérieusement rabattu dans un certain nombre de lieux, notamment, je pense, à l'Angleterre, à la France, etc., jusqu'à ce moment-là. Et l'État-monde, c'est la naissance des institutions supranationales sous l'influence du pouvoir capital qui vont se développer de diverses façons. Et en même temps, dans l'État-monde, c'est un État quand même dans la même structure de classe. Le pouvoir compétent n'est pas absent. Dans les grandes institutions internationales, vous avez toujours le monde des compétents qui trafique avec les capitalistes, mais il y a aussi le commun du peuple. Le commun du peuple, après les grandes boucheries de la dernière guerre, on a dit, voilà, on va faire la paix, etc., dans le monde. Et c'est cette puissance de paix qui émanait de toutes les nations, qui est à l'origine de l'ONU, et ensuite de ces institutions qui profitaient aussi de l'État social précédemment. Je pense à l'OIT, à l'OMC, etc., et à l'UNESCO et à d'autres.
Voilà, tout ça, c'est l'état-monde. Mais dans l'état-monde, c'est quand même le pouvoir capital qui prédomine, disons, en alliance intime avec le pouvoir compétence, parce qu'il n'y a plus cette capacité qui existait à l'échelle des États-nations que le pouvoir populaire contrôle les compétents et les contrôle en vue de contrôler le capital. Enfin, la politique, c'est toujours un duel triangulaire. Il y a bien un duel entre le haut et le bas, mais il est toujours triangulaire. Et si on ne comprend pas ça, on ne peut pas développer de stratégie. Donc, voilà. Alors, la nation-monde, c'est évidemment cette lutte du peuple en ce sens, et elle est tournée à la fois contre l'état-monde et contre le système-monde centre-périphérie, et c'est un processus en cours. Et ce processus en cours advient à l'heure, à un moment donné, qui est l'heure du désastre. Nous sommes dans le désastre. Nous ne sommes pas dans la catastrophe. Je répugne à employer ce nom dans la catastrophe, quelque chose de là. Non, nous sommes entre le désastre et la catastrophe. Le désastre, parce que le monde ne sera plus jamais comme il a été. La nature a été, disons, abîmée considérablement. Mais la catastrophe, c'est le moment où on ne peut plus, on pourrait plus arrêter le phénomène. On ne pourrait plus même envisager des réparations. La catastrophe n'est pas encore arrivée. Nous sommes dans le désastre. Et cette nation-monde, disons, qui est le commun ultime, elle a marqué le réveil du commun du peuple. Le prolétaire qui était le fils des Lumières était complètement dispersé, disparu, on ne savait plus où le prendre. Et là, la nation-monde a commencé, le peuple-monde a commencé à se réveiller pour la défense de la vie. Bon, c'est un frémissement qui parcourt toute la planète et qu'il est visiblement tourné contre le pouvoir destructeur du capitalisme et aussi le pouvoir compétence. Le pouvoir capitaliste, c'est la concurrence pour faire de la plus-value, rien d'autre ne compte. Le pouvoir des compétences, c'est différent, c'est la compétition pour faire des valeurs d'usage mais, et pas de la plus-value. Mais ces valeurs d'usage, évidemment, sont hautement interrogeables, si l'on peut dire. C'est surtout ce qui prévaut pour augmenter le prestige de ceux qui en ont le plus. Alors, la logique du commun du peuple, c'est toujours la même. C'est l'organisation contre le marché, c'est donc l'OMS. Oui, j'arrive, je termine. Et c'est l'association contre... Et donc, à l'échelle de la nation, enfin, ce livre comporte un essai sur comment s'organiser, comment le peuple doit s'organiser à l'échelle de l'État-nation, et il doit s'organiser à l'échelle du monde. À l'échelle du monde, ce ne peut pas être la même chose, parce qu'il y a un État-monde, mais il n'y a pas un appareil d'État-monde. Il y a des appareils d'État-monde, pour prendre une distinction que je ne peux pas développer. Et on ne va pas faire un parti du monde. On va s'organiser sous forme d'ONG, etc., mais qui seront des associations à vocation mondiale en connivence avec les grands mouvements de révolte, etc., et aussi les luttes culturelles. Donc, c'est tout à la fois une lutte de genre, mais pas parce que les luttes de genre sont des luttes contre les hiérarchies, contre... Voilà, contre le pouvoir, mal est un pouvoir d'organisation. Ce sont aussi les luttes du Sud contre l'extractivisme, etc. Ça, ce sont les luttes du commun. Et elles commencent, bien entendu, au local, parce que la nation n'est pas une chose qui la nation-monde n'est pas une chose ou l'État-monde qui surplombe. Ce sont des choses qui prennent leurs racines au local, c'est quand toutes les nations prennent pour eux-mêmes une constitution néolibérale et s'inscrivent dans la constitution mondiale. Voilà, donc, bon, la nation, l'État-monde est immanent à la nation-monde, il a la même structure, oui. Bon, tout ça, disons, communique par...
de multiples façons, que je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Mais disons que voilà pourquoi tout culmine vers la nation-monde contre l'état-monde et le système-monde. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jacques. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Merci beaucoup. Donc, juste deux mots et quelques éléments pour introduire la discussion de ta présentation extrêmement riche. Oui, voilà, j'ai le sentiment que ce que tu as dit à la fois à propos de la lien entre les luttes sociales et les luttes écologiques fait écho à l'intersectionnalité qu'évoquait Marie-Claude ce matin. Et puis, cette opposition marché et coopération fait écho au texte que disait Thierry Brugvin aussi ce matin. Alors, je répète deux questions, plutôt deux interrogations, des choses que j'aimerais clarifier. La première est plutôt d'ordre typologique, c'est d'associer le libéralisme avec la propriété capitaliste ne va pas forcément de soi à mes yeux, puisque dans la pensée philosophique, on peut être libéral tout en étant contre toutes les formes de domination, y compris le capitalisme. Alors peut-être que c'est… Est-ce que tu m'entends bien? Ouais. Oui, je t'entends. Ouais. Puis la deuxième, c'est dire que le socialisme est différent du communisme. Peut-être c'est aussi une question de définition, puisque j'ai dû lire quelque part une préface qu'a fait Engels à une version plus tardive du manifeste, dans laquelle Engels disait bon, on aurait pu l'appeler le manifeste du Parti socialiste, parce que pour nous c'est pareil, sauf que le terme socialisme a tellement été sali par tous les socialistes, petits bourgeois et autres, qu'on va l'appeler communiste. Mais pour Marx et Engels, ça veut dire deux choses différentes. Donc, peut-être qu'on peut le dire différemment. Puis, si tu me permets une deuxième question, ouais, je vais me faire l'avocat de Dardo et Laval. Puisque tu fais dire à Dardo et Laval qui pense que le capital et l'État sont tous les deux l'adversaire du commun, si j'ai bien compris. Alors, t'es pas d'accord avec ça. Pourtant, chez Marx, l'État, c'est un outil de domination de classe. Donc Marx, il était pour en finir avec l'État comme outil de domination de classe, puisqu'il était favorable à une société sans classe. Et donc, est-ce que ça permettrait justement de dépasser l'opposition marché-État? Et donc, est-ce qu'on peut en finir avec l'État, et précisément parce que l'État, c'est un outil de domination? Voilà, je me permets deux remarques préalables à la discussion. Est-ce que tu peux dire à Jacques qu'il rapproche le micro de sa bouche? Parce que c'est vraiment très, très difficile. Oui. Est-ce que tu as entendu? Oui, il faut… Ouais. Je crois que c'est dans le cas. On m'entend mieux? Augmente le son de ta machine. Ah oui, mais c'est ce que je fais au maximum. C'est dommage si vous ne m'entendez pas. On t'entend, mais pas suffisamment. Tu sais, on commence à avoir de l'âge. Enfin, je parle pour moi, bien sûr. Hein, évidemment, je ne parle pas pour l'assistance. Voilà. Allô? Vas-y, oui. C'est à moi, si je comprends bien. Oui, bien sûr, si on se réfère à l'histoire de la philosophie, des philosophes ont pu dire que le libéralisme économique et le libéralisme politique allaient ensemble. Mais bon, c'est de la littérature. En fait, tous les grands acquis du libéralisme politique sont le fait de luttes populaires. Jamais les capitalistes n'ont jamais été aussi heureux que dans l'esclavagisme. Du reste, ceux qui se réclament de Locke, il y en a toujours, malheureusement, même chez des gens qui se pensent marxistes, doivent se rappeler que Locke était un grand maître esclavagiste. Il n'y avait pas, voilà, pour lui, la liberté, c'était la liberté des maîtres. On ne peut pas se raconter l'histoire du monde par l'histoire des philosophies. Il faut regarder ce qu'ont fait les différentes forces en présence. Alors, bien sûr, le pouvoir compétent, comme je l'appelle, ce n'est pas le savoir. Au moment de la nation-monde,
ce qui s'affirme, c'est un rapprochement, je pense, entre les compétents et le commun du peuple, parce que le commun du peuple commence à pouvoir apprécier et à juger le pouvoir des compétents. Au fond, une fois qu'on a bien expliqué à la population ce qu'il en était du désastre écologique, tout le monde a compris. Et donc, c'est le pouvoir du peuple peut s'affirmer davantage. Alors, quant au socialisme, oui, effectivement, pour moi, je change les noms de les mots de la tribu. J'appelle donc libéralisme le pouvoir des capitalistes. Du reste, quand les mouvements anti-libéraux, c'était des mouvements contre le capitalisme spécifiquement. Alors, le socialisme, pourquoi ? Parce que, rappelez-vous quand même la fulgurante page de Marx dans la critique du programme de Gotha, qui dit qu'il y a deux phases du communisme. Le premier, on va mettre à bas les capitalistes, on va le mettre à bas avec l'aide de l'autre pouvoir compétent, bien sûr. Et ensuite, il restera le plus difficile, qui est d'échapper à la subordination asservissante des travailleurs intellectuels. Alors, ces travailleurs intellectuels, ce sont bien sûr ceux qui sont institués comme tels, ce sont les compétents entre guillemets. Donc, Marx y voyait deux phases, mais bon, on peut, en réalité, on sait très bien que, et Marx le savait aussi, que c'était une seule et même phase. Il fallait à la fois battre le capital. Donc, on ne peut pas se battre contre le marché sinon en mettant des normes d'organisation. C'est une alternative. Toute l'économie institutionnaliste est fondée sur cette idée, à juste raison. Et ensuite, l'organisation, ce n'est pas une mince affaire. Comment l'organisation peut être maîtrisée par le commun du peuple ? Bon, ce sont des grands sujets dont s'occupe Bourdieu, par exemple. Voilà. Et aussi, je dirais, les organisations marxistes en général, l'influence du marxisme dans le syndicalisme, dans l'éducation, se marque par cela. Alors, c'est pourquoi je ne dirais pas que les choses, les idées de Marx mettre à bas le capitalisme, les nationalisations, personne ne s'en occupe plus, etc. Il me semble que si, il y a toujours des échos du marxisme de décade en décade qui sont présentes. Il y a quand même une gauche de la gauche qui a une influence dans l'idée que on ne peut pas abandonner nationalisation sur nationalisation. Même on voit quand Le Pen dit il faudrait peut-être renationaliser les autoroutes, c'est qu'il se passe quelque chose dans le public. Donc, voilà. Alors, maintenant, donc le socialisme, moi, je dirais que la Chine est un État capitaliste. C'est un pays que je connais particulièrement. Je travaille avec les chercheurs chinois depuis 25 ans. Et je suis allé très souvent en Chine. Certains de mes livres sont traduits en chinois, d'autres sont interdits. Mais parce que en Chine il y a une lutte entre les capitalistes et les compétents et le peuple, c'est le même triangle. En Russie, dans la révolution russe, l'alliance était entre le peuple et les compétents. En premier rang, vous aviez, dans le premier gouvernement, ils avaient tous Bac+4, Bac+6 même, si je peux dire. Et très rapidement, ils ont évincé les capitalistes et ensuite ils se sont attribués le pouvoir. Bon, mais le peuple a été longtemps présent quand même, hein, et il a gardé même, dans les républiques populaires, on demandait pas le capitalisme, on demandait un socialisme réel. Donc, ça signifiait des choses jusqu'au moment de la décomposition totale. Alors, en Chine, il s'est opéré, je dirais que la Chine est un État à d'hégémonie socialiste. Bon, mais il y a quand même un fort pouvoir capitaliste et une influence aussi du commun du peuple, très importante. Parce qu'en Chine, Mao Tse-tung et les suivants n'ont jamais mis
à la porte le capitalisme. Quand il faisait disparaître le pouvoir, les féodaux, ils indiquaient toujours une alliance avec les capitalistes. Et, bon, cette alliance, elle a un peu reculé et au moment où il fallait construire une économie socialiste, entre guillemets, c'est-à-dire fondée sur la planification, etc. Mais les limites sont arrivées, on est revenu donc à partir de 90 à l'idée d'une certaine alliance. Mais c'est une alliance où, disons, un pouvoir socialiste qui est le pouvoir des compétents, disons que le Parti communiste chinois, c'est la fine fleur du pouvoir compétent, sa pointe avancée, et c'est le parti qui a le pouvoir, et même l'armée, mais l'armée sous la direction du parti, en principe. Donc, les capitalistes sont là, mais ils ne sont pas dans les organes dirigeants. Ils exercent une influence considérable par toutes sortes de moyens de corruption, etc., Mais le commun du peuple est aussi présent. Sinon, ça ne marcherait pas. Il n'aurait pas eu raison de cette pandémie s'il n'y avait pas une spontanéité du peuple. Si on lit j'ai bien lu le journal de Wang de Fanfang, qui est une économiste, une écrivaine extrêmement célèbre. Son journal est lu chaque jour par des millions de personnes, quelquefois 10 millions. Bon, elle exprime très largement le point de vue du peuple. Elle s'en prend pas au pouvoir, mais à ce qu'il représente, si on peut dire, aux nationalistes, ce qu'elle appelle aussi l'extrême gauche. Bon. Donc, elle cite en permanence tout ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux. Il y a bien une présence. Et du reste, j'ai étudié récemment la pensée du président Xi. C'est une démocratie, disent-ils, mais une démocratie consultative. C'est-à-dire, c'est pas le peuple qui, c'est ce qu'il appelle la classe moyenne, mais il consulte le peuple. Bon, il consulte. Voilà, ils sont obligés d'entendre quelque chose. Bon, et alors, ça veut dire qu'il y a aussi du communisme partout, à des degrés extrêmement divers. Il y a cette capacité du peuple de s'exprimer directement, disons, de maîtriser les médiations. Je prenais cet exemple des coopératives de chemin de fer maintenant, mais elles sont de toutes sortes. Donc, voilà. Alors, l'État, pourquoi je ne dirais pas que l'État... Bon, évidemment, il y a ce que Marx dit dans une formule, l'État, c'est l'État-major de la classe dominante. Oui, mais il y a ce qu'il démontre dans sa pratique. À un certain moment donné, on a vu Engels, mais bon, Marx était encore là, a bien expliqué que la voie anglaise ne serait pas forcément révolutionnaire, parce qu'il y avait des institutions qui permettaient déjà d'aller plus loin, d'aller en direction du socialisme. Donc, si on lit Gramsci, bien entendu, il ne prend pas l'État comme dans l'État, il y a beaucoup de choses. Il y a des représentants, bien sûr, du capital, mais il y a aussi tous ces appareils d'État qui sont l'Église, les syndicats, etc. Il y a toujours un mélange d'influences. Donc, l'État, c'est le rapport, je crois, en bonne doctrine marxiste. C'était comme ça, compris comme ça dans le Parti communiste dont j'étais membre dans les années 70 et qui ont contribué à ma formation, comme à celle d'Althusser, du reste. L'État, si vous lisez le programme commun, la présentation qu'il fait du capitalisme monopoliste d'État, l'État, c'est le lieu de rencontre de la bataille, la lutte politique entre les classes. Donc, les classes, les diverses classes ont une présence dans l'État. L'État qui nationalise, ce n'est pas forcément l'État ou les syndicats en tant qu'appareil d'État, ce n'est pas forcément le pouvoir du capital. C'est aussi ce que je reproche un peu à Christian Laval et Pierre Dardot, c'est que pour eux, il ne reste plus rien de la lutte des ouvriers qui avaient. Il reste l'IP, il reste
peut-être Notre-Dame-des-Landes, je ne sais pas, mais jamais il n'est question de nationalisation. Sauf que Jean Jaurès avait dit que certaines nationalisations sont sans doute bonnes. Et c'est un gros livre sur le commun, mais des nationalisations, on ne dit rien, sinon pour dire en une phrase que c'est à peu près la même chose que le privé. Et on ne dit jamais rien des syndicats, qui sont pourtant la fleur du commun, si je puis dire, dans l'entreprise. Quelque chose où les travailleurs ont réussi à une certaine maîtrise, c'est-à-dire on vous emploie, mais pas à n'importe quel, à n'importe quel prix, etc. On accepte de vous attribuer des qualifications, etc., qui ont un sens, et en principe, on ne vous met pas à la porte du jour au lendemain. Tout ça n'a aucun intérêt pour le capitaliste. Quand les capitalistes prennent du pouvoir, ils s'efforcent de supprimer tout ça, même de supprimer la journée de travail, qui est la première conquête populaire, disait Marx, sur la journée de travail. La journée de travail n'est pas une invention des capitalistes, elle est une invention du peuple. Ça a été son premier combat, qui n'a pas été le salaire, mais la journée de travail. On dit on s'arrête à une heure déterminée. Et on voit au quel point il y a une reprise du pouvoir. Donc, la lutte des classes continue, elle continue dans la même structure qui est la structure du monde moderne. Voilà, c'est pourquoi la classe ouvrière a peut-être un rôle moins important qu'elle, parce qu'elle était rassemblée par la grande entreprise qui était un lieu où on a pu s'organiser. Mais la disparition, qui n'est pas du reste une disparition, qui est une mise en retrait de certaines formes de classe ouvrière, ça ne fait nullement disparaître la lutte des classes, et elle s'exprime autrement. Voilà. Ah si, juste pour dire que Pierre Dardot et Christian Laval font allusion au syndicat, mais la seule allusion que j'ai vue, c'est pour dire pourquoi la classe ouvrière était la BC. Alors il y a toutes sortes. Bon, il y a eu l'évolution vers la réorganisation des entreprises, etc. Et il y a aussi l'influence du syndicalisme, disons, stalinien. Voilà, la seule allusion au syndicalisme dans la grande lutte des classes et le commun, c'est une allusion dans une note, disons, au méfait du stalinisme dans le syndicalisme. Voilà, donc, ça ne veut pas dire que je ne partage pas beaucoup de leurs analyses, de toute façon, c'est très intéressant, mais voilà, j'arrive quand même à une certaine limite. Terminé pour moi, oui. Merci beaucoup. On a le temps pour une ou deux questions. Si j'ai bien ce que tu entends, les idées qui ont été données, l'idée qu'il y a un lien entre socialisme et écologie est quelque chose d'important. C'est bien ce qui a été dit quelque part. Et effectivement, enfin, pour ma part, je suis biologiste, en même temps, j'ai fait un peu de géologie, donc je connais un peu l'histoire de la Terre et son lien avec le développement du vivant. Et ce qui fait que, en fait, l'écologie, enfin, c'est nous aussi. On est en plein dedans, car le vivant, est apparu par l'interaction de toutes les particules de matière avec des réactions très simples au début qui donnent des bactéries ou des choses comme ça, puis d'autres des algues, et ça sur 3 milliards d'années. C'est ce que j'appelle, qu'on peut appeler équilibre métastable, c'est-à-dire un équilibre stable sur 3 milliards d'années, où toutes les connexions peuvent se faire, les arrangements entre les molécules, etc. Et ça peut donner quelque chose, mais qui va disparaître si ça n'est pas équilibré. Or, en ce moment, avec les OGM en particulier, on assiste à un phénomène inverse, à savoir qu'on introduit du nouveau qui n'a pas été validé par la nature. Et la preuve que ça peut gêner,
Il y a des plantes qui ont contrefait le brevet de Monsanto sur le Roundup. L'amarante a fabriqué elle-même le Roundup pour se défendre. Et donc, avec toute l'utilisation de la science, en particulier pour faire du profit, au-delà, le danger est très grand et il faut effectivement que politiquement, on soit très proche de l'idée écologique pour arriver à combattre le phénomène. Un dernier point, je suis persuadé que le Covid est justement la conséquence des dérèglements qui ont été créés par l'industrie, par les OGM, par tous ces trucs-là. Le chlordécone, il y a des terres qui ont été stérilisées, il y a des centaines de milliers d'indiens qui sont morts à cause de ça. Et je suis à peu près persuadé que le virus, le Covid, est apparu parce qu'il y avait des éléments nouveaux qui l'ont fait apparaître. Et ces éléments nouveaux proviennent effectivement d'une utilisation de la science. Alors, dernier point, c'est pour ça que je propose une pétition pour commencer. Le pied, principe d'humanité. Reconnaissant au pied le droit de propriété temporaire des quelques centimètres carrés qu'il occupe, à partir du moment où il ne les a pris à personne et où il va les quitter. Les questions afférentes à cette reconnaissance sont de l'ordre des organismes internationaux, de même que la mise en chantier d'un plan de sauvetage de la planète avant son imposition. Je crois qu'effectivement, on est à un moment capital de la vie. Jacques, tu as quelques instants pour répondre, si tu souhaites. Bon, c'est un peu difficile parce que le débat là se transpose sur un autre terrain, sur lequel c'est le débat des... C'est un débat de savants, d'une certaine façon, sur lesquels le marxisme comme tel n'a pas de choses à dire. En même temps, évidemment, en arrière-fond, j'ai bien entendu aussi que le capitalisme détruit la nature. Et je pense que c'est Marx qui a été le premier à élaborer cette hypothèse. Parce qu'il y a un très important chapitre au début du Capital où Marx fait... La différence entre la production de valeur d'usage et la production de plus-value. C'est-à-dire la production de valeur d'usage, c'est un peu le travail en général, et la production de plus-value. Voilà. Et dans l'édition allemande, Marx avait écrit procès de travail et procès de la plus-value. Mais quand il l'a réécrit en français, il l'a corrigé, Elle a dit, premier paragraphe, production, non pas procès de travail, mais production de valeur d'usage et production de plus-value. Alors, la production de valeur d'usage, il faut un acteur qui est le travailleur, il faut des moyens de production et il faut des outils. Enfin, bon, ce sont des choses très générales que l'on retrouve dans le bricolage ou dans le travail. Mais la production de plus-value, c'est autre chose. La production de plus-value, c'est la production d'un surplus et sous la forme monnaie. Et voilà ce qui intéresse le capitaliste. Bien sûr, pour avoir du surplus en termes de monnaie, il faudra bien produire des marchandises. Pour produire des marchandises, il faut bien qu'elles aient une valeur d'usage, mais peu importe quelle marchandise et quelle valeur d'usage. Ça ne concerne pas du tout le procès de production capitaliste. Le procès de production capitaliste, c'est le procès par lequel se produit de la plus-value pour le propriétaire. Là, c'est une définition rigoureuse. On dira que c'est tellement simple. Oui, mais c'est tellement simple que c'est absolument fondamental. Donc, le capitalisme est producteur de plus-value. C'est pourquoi voilà, le capitalisme n'est jamais seul dans le procès de production. Il y a toujours aussi, l'organisateur du travail qui n'est pas recruté pour sa capacité en plus-value, mais qui est recruté pour sa capacité à produire des objets
de plus en plus sophistiqué par des écoles. Il reçoit, bon, il intervient, il advient sur le marché par de tout autres facteurs, critères et conditions. Donc, si le capitalisme entre guillemets est productif, c'est bon. D'abord, il s'est emparé du marché. Le marché est un rapport intelligent. Et ensuite, il, en son sein, fonctionne de l'organisation. Et en fait, voilà, tout ça est quand même sous une certaine impulsion populaire qui tend, dans certaines conditions, à dire on va produire des HLM plutôt que du logement de grand luxe, etc. On va faire des trains plutôt que des voitures de luxe, etc. Tout ce qui se produit de bien dans le capitalisme n'est pas à chercher du côté du capital. Le capital se plaît aussi bien, le capitalisme le plus parfait, ça a été l'entreprise esclavagiste qui avait une comptabilité la plus avancée au monde, une capacité à calculer la plus-value, voilà, savoir si on allait en acheter d'autres, laisser crever ce qu'on avait et en acheter d'autres, ou au contraire entretenir ce qu'on avait, parce que voilà, les calculs capitalistes. Et aujourd'hui, c'est pareil, le capitalisme n'a nullement pour nécessité de reproduire la force de travail. S'il peut, plutôt que de les reproduire, en trouver d'autres ailleurs qui ne coûteront rien, tant mieux. Voilà, si on peut s'en passer, les remplacer par des machines, voilà, tout est merveilleux. C'est pourquoi je ne pense pas qu'il faut parler du capitalisme. Il faut parler du mode, de la forme moderne de société ou de la forme moderne de production. Où il y a un pouvoir capital, un pouvoir compétent et un pouvoir populaire qui est présent. Mais il est présent à un niveau, évidemment, qui est un peu désespérant pour le peuple, c'est-à-dire on est dans un régime d'hégémonie. À l'époque de l'État social, il y avait cette alliance à l'intérieur des nations, d'Europe en tout cas, et un peu ailleurs dans le monde aussi, qui permettait de marginaliser quelque peu les capitalistes, justement. Mais avec le numérique dans les années 70, là, au moment où ils étaient un peu coincés par le taux de profit, comme le montre Gérard Duménil et les autres, ils ont compris tout de suite qu'il fallait passer par-dessus les frontières nationales où se nouait cette alliance entre le peuple et les compétents, qui rapportait surtout aux compétents, mais quand même aussi un peu au peuple. Et voilà, ils se sont lancés vers l'État-monde. On me reproche de dire toujours les mêmes choses parce que j'emploie toujours les mêmes mots. Mais ce que je montre, au contraire, c'est qu'avec les mêmes concepts, ce sont les concepts qui sont faits pour aborder des champs toujours nouveaux. Et aujourd'hui, le champ de l'écologie et de la pandémie, etc. Et bon, un des acquis récents de la nation monde, si on peut dire, c'est que tous les peuples de la Terre ont entendu parler de l'OMS. Ils n'en avaient jamais entendu parler, la plupart, 90% des gens, pour eux, et depuis 2 ou 3 mois, une organisation mondiale de la santé. Et on commence à comprendre que c'est absolument fondamental. Et cette idée pénètre. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est un acquis, si l'on peut dire, parallèle, indirect, au cours de cette pandémie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jacques, pour cette présentation et cette discussion. L'heure tourne. Et on va devoir passer à la présentation suivante. Merci encore, par Gauthier Delozière.